la laisse dans la première place, je la laisse et j'attends. Parcours sans faute pour Marion Soulier avec un chrono de 95 secondes et 15 centièmes. Pamela Pasto pour le départ de cette épreuve avec Bahamas et Godino avec le dossard numéro 6 pour le départ. Une jument celte français. 20 sur 20. Une fille de Bayard super Galo, super et Pontine par Experio, née chez Monsieur et Madame Rocton, appartenant à Monsieur Cré et Madame Pasto. 1, 2, 3, 4, 5, super. Ouais, il te manque encore un peu de place, mais c'était très bien. Allez, là tu peux être un peu plus dur. T'as pas le même galop, voilà. Ah, t'as fait pas le même galop qu'aller sauter là. Encore un peu plus dur. Oh, on relâche. Un peu vite. Tu aurais pu prendre la même vitesse que pour aller loin. Te laisse pas emmener par le parcours. Il est dépli, il ne faut pas se laisser emmener par ce. Très bien, ça a bien repris. Dommage que tu n'aies pas cru jusqu'au bout à se fouler, mais c'était bien sinon. Très bien rééquilibré, on relâche. Voilà, tu aurais pu faire une foulée de moins. Allez, 6 foulées normales, on déplie un peu. Oh, on freine, et là il faut repartir fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. T'es encore un tout petit peu loin sur le 8. T'es pas assez reparti, un peu timide. Voilà, ça c'est bien. Par contre, dans les rééquilibrages là, tu commences à être moins tendre. Encore. Là, tu es sur la pointe des pieds, tu vois, tu te fais emmener et il va y avoir la faute. La chance. Là, les trois dernières foulées avant le double, tu lâches. T'as cédé à ces petits caprices. On rééquilibre, en allant. Youhou! Tu as fait 19 secondes et 11 centièmes. Tu es en allant, tu la laisses aller, tu pars avec la grosse faute du parcours. Et avant le double, où tu cèdes à ces petits caprices. Et par contre, c'était bien mieux qu'à Gramont. On commence à parler d'une certaine rigueur. Tu lui as dit non, et voilà. Tu peux lui dire encore plus fort que ça. Pour être encore plus gentil tout le reste du parcours. Mais c'est beaucoup mieux qu'à grimper.